Aula, 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 histoire, histoire, histoire. Mon grand-père me disait souvent que dans la vie, il ne suffit pas seulement d'agir en décideur, ou même encore en acteur, mais il faudrait être un bâtisseur, ou même encore un planificateur, mais surtout, savoir lire au-delà du temps et motiver l'ardeur et décourager le jeune qui chipe. De ce fait, depuis le XVIe siècle, pendant la période de l'Antiquité, des hommes pour se bâtir, ils ont fondé des empires, ils ont fondé des royaumes et pour faire naître de nouveaux systèmes tels qu'économiques, politiques, économico-politique, il fallait surtout qu'il fasse appel à un leader. Et parmi ces leaders, ils ont fait naître ce que l'on a appelé le leadership. Voilà, le leadership jeune, parlant de son origine, comme je le disais tantôt tout à l'heure, il est né depuis l'Antiquité. Et pour parvenir jusque-là, il fallait que des hommes forts, des guerriers valeureux, bâtissent des empires. Mais comme ces empires allaient de mal en pis à cause du désordre des autres, il fallait qu'ils mettent sur pied des systèmes économico-politiques qui ont fait appel au leadership. Alors le leadership, comme je le disais tantôt, c'est le caractère de ce qui est grand, c'est-à-dire celui qui est supérieur aux autres. Et celui qui est supérieur aux autres est celui-là qui sait dominer, celui-là qui sait diriger, celui-là qui sait mener des belles actions ensemble avec tout un groupe, mais surtout celui-là qui sait superviser. Alors, pour atteindre tout cela, on fait appel au style de leadership. Nous en avons quatre. Nous avons le volet bâtisseur, le volet relationnel, le volet planificateur et le volet aventurier. Parlons du volet bâtisseur. Lui, c'est le moi décideur. Ce qui le caractérise, c'est quelqu'un qui aime des choses concrètes, qui aime bien la discipline et l'essentiel. Il aime bien quand chaque chose est disposée à sa place. Il aime surtout l'autorité. Et c'est ça qui fait son charisme. Parlons du volet relationnel. Lui, il se caractérise par la couleur bleue. C'est un amoureux. Il s'intéresse aux autres, il accorde un grand prix aux émotions, il aime bien le respect des sentiments et des opinions, il aime la sincérité et il se soucie des autres, car comme je le disais tantôt, c'est un grand amoureux. Ensuite, nous avons par la suite, nous avons le volet planificateur. Le planificateur, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Il s'intéresse aux détails. Il aime bien la précision et il respecte le savoir. Il est visionnaire, mais surtout, il est révolutionnaire. Et par la fin, nous avons l'aventurier. Lui, il est caractérisé par le rouge. C'est quelqu'un de très actif. Il aime bien mener les actions. Il aime surtout innover. Il aime prendre des risques.
Il aime quand tout le monde contribue au danger avec lui. Il est surtout dynamique. Et pour atteindre tout cela, il faudrait être un bon leader. Et un bon leader, c'est celui qui possède toutes ses qualités, la vision, la communication, l'action, le service et l'intégrité. Alors, parlant d'action, nous voyons ici un jeune leader qui a ce qu'on appelle de la vision. Celui-là qui sait viser la lune, qui regarde au-delà des cieux et qui sait lire dans le temps et projeter dans le futur. Pour être un bon leader, il faut surtout la communication. Car un leader, c'est celui-là qui sait communiquer, qui sait partager sa vision avec les autres. Et par la suite, après sa communication, il faut passer à l'action. Passer à l'action, ce n'est pas donner des ordres, ce n'est pas commander, mais passer à l'action, c'est être au-devant et diriger. Après être passé à l'action, il faut bien passer au service. Et comme on le sait très bien, le meilleur serviteur est celui-là qui se fait petit parmi les grands. Nous avons à l'exemple cette image. Ensuite du service, nous avons l'intégrité. Car le leader est celui-là qui aime bien quand on respecte son honneur. Il est celui-là qui aime quand on respecte les décisions prises. Alors nous passons au leadership jeune et émergence de l'Afrique. Pour pouvoir contribuer à l'émergence de l'Afrique, il faudrait bien que nous puissions porter l'Afrique entre nos mains. Et un bon leader, c'est celui-là qui sait porter ses responsabilités et celles des autres. Et pour mieux le faire, il faut penser grand. Mais pas seulement penser grand, mais il faut aussi agir. Agir est le reflet de notre pensée. Alors cette image reflète un peu le leader qui pense et qui met en avant les actions de sa pensée. Nous avons par la suite les exemples des jeunes leaders africains. Mais avant d'y parvenir, j'aimerais vous dire que un bon Africain et un jeune leader, c'est celui-là qui sait porter la responsabilité de sa patrie, c'est celui-là qui sait prendre des décisions, c'est celui-là qui sait mener des plans d'action et c'est celui-là qui sait faire un rendement amélioré. Alors là, nous avons Patrice Lumumba. Par la suite, nous avons Nelson Mandela, Thomas Sankara et un jeune leader africain qui... et par la suite, d'autres jeunes leaders africains. Pour conclure, je dirais simplement que le progrès a lieu lorsque des leaders courageux et très habiles saisissent l'opportunité de changer les choses en de meilleures. Alors le bon leader, pour résoudre, le bon leader, pour conclure ce que je disais tantôt, est celui-là qui est intelligent, qui est honnête, qui a l'esprit créatif, celui-là qui est confiant, celui-là qui est dirigeant et celui-là qui est courageux. Car il faut du courage pour rassembler des personnes. Car des personnes représentent les pièces d'un puzzle qu'il faut les rassembler pour pouvoir mener des actions et recueillir des fonds sortant des différentes actions que nous aurons menées. Et par la suite, lorsqu'on aura rempli tout cela, on fera ce qu'on appelle bâtir une nation, tel que vous pouvez le voir avec le reflet de ce drapeau. Alors ce soir, pour conclure, je dirais simplement que pour produire des semences, pour contrôler les vôtres, pour lutter contre le cancer du sein, pour parvenir à la mondialisation, pour apprendre à danser une danse contemporaine, et peut-être même pour cultiver du manioc, il faut d'abord être un bon leader. Je suis un jeune leader. Et toi, es-tu un jeune leader ?